Salut les mecs! Ça se passe bien ici? Ah putain la vache le bordel! Moi j'aime bien! En vrai on découvre une nouvelle facette du jeu en fait. Ouais mais l'émeute est en train d'être matée là. Qu'est-ce qu'il y a mec? En vrai c'est le bordel dans le coin. Ah vas-y, mets-moi dans cette cellule là, hop, voilà. C'est bon. Et là j'y passe mon temps ou... Ouais, j'y passe mon temps aussi. Allez. Je commence déjà à y perdre un peu de temps, donc c'est bon. Ouais, ça va être long quand même 6 minutes, hein. Je le sens bien. Alors toi mon gars, combien tu coûtes? 2 points? Je voulais recruter moi. Eh mes menottes enfoiré. Oh. Bon. Je pense que je vais sauter cette étape, hein, le temps de... Voilà. N'empêche que les meutes c'est assez marrant. Mais je pense qu'on va couper les 5 prochaines minutes là, histoire de... Hein. Voilà. Que je vous épargne ça. Voilà. A tout de suite. Bien, je suis de retour en cellule, et tout le temps de mon incarcération, si on peut appeler ça comme ça, je me suis retrouvé donc c'était en mode émeute, hein. C'était en mode émeute tout le temps. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai clairement pas compris dans le jeu. Ok, espace pour arrêter le combat. Ok, j'ai 4 points de réputation, mais je vais encore me retrouver à l'isolement rapidement. Eh hey, mais vas-y, rapproche-toi encore plus lentement, toi. Putain, sérieux. Bon, j'ai droit à combien? 12 minutes. Bon, alors, ce mode de jeu, eh bien, quand on a géré juste avant, en fait, les temps d'isolement, parce que clairement, là, c'est chiant. Mais j'ai 4 points. J'ai 4 points, ça veut dire que je vais pouvoir commencer à recruter du monde. Bon bah écoutez, je vais remettre en pause et... Attends 5 minutes. Mais en gros voilà, l'idée pour le moment de monter en réputation, c'est on se met dans une cellule du fond, on commence à tout casser. Par contre je peux pas arrêter le combat quand je veux. Je sais pas si vous avez vu, mais donc le temps que j'arrête le combat, je me fais griller. Bon bah à tout à l'heure, je suis reparti pour 12 minutes là d'attente. Un peu plus même, un quart d'heure. Donc en gros c'est ça, tu fous le bordel et t'attends. Tu fous le bordel et t'attends. Non, clairement, c'est chiant.
peux me déplacer là? Ouais, bon. Bon, ben, je vais attendre. À tout à l'heure. Encore une fois. Ou je passe et je continue comme ça? Ouais, non, j'ai envie de garder mes points quand même. Bon, allez, tant pis, on va attendre un petit quart d'heure. Allez, à tout à l'heure. À savoir que je joue à un autre petit jeu à côté. Bien sûr. Je... Ben voilà quoi, j'ai du travail, enfin je fais ça à côté quoi, voilà. Par contre dans cette prison, c'est émeute sur émeute, hein. Je suis pas encore arrivé à ma cellule d'isolement que... Ça y est, hein, c'est parti, hein. Une nouvelle émeute. Enfin voilà. La prison c'est quand même un beau merdier en fait. Bon, je rectifierai quand même dans la prison réelle, entre guillemets, le problème de la morgue dans le... Dans la cuisine et puis le... Et puis le portique, le... Comment, le... Le détecteur de métaux qui n'est pas mis devant l'atelier. Ce sera résolu. Ben voilà. Mais je pense clairement qu'on va arrêter cette série là-dessus. On va essayer de recruter 2-3 gars, essayer de faire un, 2-3 petites choses, mais... Mais voilà quoi. De toute façon, tant qu'on n'a pas plusieurs gars en fait dans notre gang... Ça sert à rien en gros. Donc voilà. Donc ben à plus tard. Ok, c'est de la merde. Alors, je suis de retour dans ma cellule et regardez, je me vois pas. En gros, la lumière de mon personnage est restée dans le dans la cellule d'isolement. Donc bon bah petite sauvegarde et relance du jeu. Ok, je suis de retour, toujours en mode émeute, mais ce coup-ci, changement de technique, je vais aller recruter des mecs. Je vais voir pour essayer de recruter quelqu'un. Donc à ce que j'ai compris, il faut que je sois à côté de lui et que je maintienne clic droit. Il faut que cette personne soit pas immobile mais presque. Par exemple cet homme. Ok. Ok, c'est bon. Là, j'ai les mecs, je vais peut-être pouvoir foutre le bordel. Peut-être même essayer de d'avoir un garde qui est tout seul. On essaye de se faire le garde. Allez. Bon, on a eu un garde. Réussi un garde. Est-ce qu'on va essayer un garde armé? Non, quand même pas, faut pas déconner. On a réussi à avoir un garde isolé quand même à 3. Donc on a 3 points, peut-être qu'on peut essayer de recruter encore un autre mec, un jaune ou... On va essayer, hein. On va essayer à l'infirmerie.
Lui là. Toi mec. Merde. Ok. Bon, on a réussi à avoir deux points de... deux points en plus quand même. Oh la vache. Ok. Wow. Ah, ça a pas déconné là sur ce coup-là. Ah, sur le coup, ça a pas déconné. Publicité, ok, d'accord. Ok. Bon, allez, hop, hein, ces deux-là. Merci, au revoir. Wow, c'était violent. C'était violent, mais j'ai 5 points. Là, j'ai 4 points. Donc je peux recruter peut-être lui là. Ouais. Pour un point, lui, je peux le recruter. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, je me suis trompé. Oh, la haine. Pas grave. Je passe la sanction, ça fait rien, je reste à 4 points. Non, c'était un clic droit que je voulais faire, pas un clic gauche. Oh, le malentendu. Pareil, pour les utilisateurs de tactile, alors... Ah oui, attends, peut-être que je joue comme ça, peut-être. Ouais, je faut que je joue avec... C'est ça? Avec ZSQS. Ouais, par... Ouais, voilà, par contre, c'est les touches américaines. Oh, fait chier. Bon, ça fait rien. Allez, je le sais. Bon, tant pis. Il est à l'isolement pendant 6 minutes, mais au moins, je l'ai recruté. Apparemment, les autres oranges sont dans la cour. Donc, ça fait rien. Hein. Ça ne fait rien. Donc, le but, ce serait de recruter 3 mecs à 1 point. Apparemment, les autres sont dans la cour. Donc, je peux aller dans la cour pour aller les chercher. Juste me mettre en x3. C'est con que ça garde pas par contre la vitesse de base, enfin la vitesse configurée quand on... Bon, la cour elle est là. Je vais essayer de recruter quelques gars. Toi là, t'as combien? T'as 2 points. Non, tu m'intéresses pas. Les mecs à 1 point seulement. Bah. Non, non, me dis pas que... Ah oui, bah oui, la touche espace, elle est occupée, résultat. 2 points, 2 points, 2 points. Il n'y a pas un mec à 1 seul point dans le coin. Pas grave. Allez, on va recruter. Ah non, il me faudrait. Allez, il me faudrait 2 mecs à 1 point quoi. Dans les high secs, non, dans les low secs. Chaud, ils sont tous à 2 points les mecs. Je vais plutôt aller voir ce qu'il y a. Je vais aller voir ce qu'il y a dans la cellule d'admission, dans la chambre d'admission. Bon, là, faut que je me fiche au milieu des high secs quand même. Ok, ici, il n'y a rien dans le parloir. Il y a un briquet ici. Ouais, mais je risque de me faire griller avec ça.
Non, pas ici. Je vais essayer de récupérer le bâton. Je vais essayer de récupérer un bâton. Ok, il n'y a plus, a pas l'air d'y avoir d'armes ici. Si. J'adore, je le tiens à la main, le machin. Bon, donc l'autre, il y a l'isolement. Putain, sauvegarde. Bon. Bon allez! Ah non, c'est pas optimisé ce mode, hein. Vis-à-vis des sauvegardes surtout. Voilà, quand même. Alors. Toi, t'as combien de points là? 2 points. 2 points. Quand même, toi là-bas, t'as 7 points, ouais, non, même pas la peine. Allez, tant pis, hop, 2 points. Ok. T'en retrouver un seul point, enfin. Bon. Ça fait rien. Si on se plante de... J'essayais, si on se plante de zone. Lol, lol. Lol. Non, pas se rendre! Oh purée! Je me suis rendu, quel con. Bon, ça fait rien, l'autre il continue à se battre, il me fait gagner des points de répute. L'autre il s'est rendu aussi? Non, ah non, non, l'autre s'est pas rendu. Donc on peut incarner d'autres personnages. Donc pendant que les autres sont à l'isolement, on peut jouer quand même. Toi, 4 points. Non. J'ai pas assez pour te recruter. Toi, 4 points, non.
J'ai gagné un point relativement simplement. Qu'est-ce qui me pollue? Quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, monsieur l'agent. Ah, il m'a fouillé. Il m'a fouillé. Ok. C'était une simple fouille. Bon, 3 points. Non. Voilà. 4 points. Non. 4 points, mais par contre... Ouais, je me fais fouiller et j'ai 6 minutes, d'accord. Bon, alors, l'avantage, c'est que là, je peux dépenser un point. Normalement, je ne dépense qu'un point pour libérer tous mes membres de gang. Enfin, il me semble, hein, à ce que j'ai compris, c'est ça. Donc, ouais, alors, je peux pas... donc, c'est bien ce qui me semblait, il faut que je sois à proximité pour pouvoir recruter. Mais là, dépenser un point de réputation pour que tous les membres, hein, donc on est d'accord, un point pour tous les membres. Donc je retombe à 3, on est à 3 et on va pouvoir... Ou on attend encore et on garde nos 4 points pour recruter un troisième gars? Ouais, donc un quatrième membre de groupe. Ouais, allez, on va dépenser un point. Allez, hop, pas grave. Donc là, je suis devant... Je sais même pas où je suis là. D'accord. Et lui, il est où? Lui, il est là. Ok. Ok. Donc là, j'ai le nombre de gang et l'autre, je sais pas où il est, mais il devrait arriver. Dès qu'on est à 3, on va essayer de se faire un flic. Ok, nickel. Allez, on est 3. On va essayer de se faire un flic isolé. Trop proche de la patrouille. Trop proche des patrouilles. Par contre, si lui, on se le fait tout de suite, il y a moyen. Ça va être chaud, hein. Clairement, ça risque d'être chaud. Ouais, ça risque d'être trop chaud de se faire un... On va essayer de se faire un garde armé? Ouais, non, je vais perdre mes équipiers. C'est mort. C'est mort, je vais perdre mes équipiers. Pour le moment, c'est mort.
Pour le moment, je sais le seul endroit où on peut se faire des flics, je sais où c'est. Mais on va y aller. C'est le seul endroit où il n'y a pas de garde armée. Alors, je vais me mettre en vitesse x3. Voilà. Trois points, peut-être qu'on peut encore recruter un mec, mais... Là, vous venez nous ouvrir. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Eh ouais. Bon, Knight prend la suite. Non, ce qui se passe, je sais pas s'il me fouille ou s'il me ramène en cellule là. Je pense qu'il va me ramener en cellule. Ouais, il va me ramener en cellule. Bon, pas grave. Avec deux, je pense qu'on peut le faire quand même. Non, ils sont en train de tous nous ramener en cellule là. Oh purée. Ça fait rien, je vais faire ça plus tard. Mais en gros, l'idée c'était d'aller dans la buanderie, buter les deux gardes, et au moins gagner des points avec ça quoi. Bon. Ben, petite pause, le temps que la période de sommeil se... Attendez, ou alors je peux peut-être recruter un mec rapidement. 4 points, 4 points, 4 points. 10 points, non mais oh. Genre, tu sais, il n'y a pas un mec à 3 points, quoi. T'as vu, vas-y, vive les saccottements de l'écran. Hein. Non, non, franchement, le jeu, c'est vraiment dommage. Parce que le jeu, franchement, il y a des idées. Mais il y a tellement de problèmes dans le jeu, c'est que... Déjà, il y a 2-3 bugs, mais bon, ça, c'est... Bon, c'est pas encore trop grave. Mais il y a des trucs, voilà, quoi. 4, 4. Bon. On va essayer de gagner quelques points. On va passer à l'isolement. Cette nuit.
Toi. Un moyen, c'est de faire ça. Voilà. Ça me fait 5 points. Et peut-être que lui peut recruter un mec. Avant d'aller en tôle, non? Non, bon. Bon allez, on a 6 points et ouais, donc en gros on fout un peu le bordel et on fait ça. Écoutez, ben je vais mettre en pause le temps que mes gars se fassent soigner et que l'isolement se fasse. Là, à mon avis, les mecs vont prendre un peu cher quand même. Bah non, je passe un point pour avoir le pour passer la sanction et je suis à 5 points et je peux recruter un troisième mec. On peut faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Allez, on fait ça. On est encore en période de sommeil. Fait chier. Ben, ça fait rien. Savez quoi? Regardez. Hop. Et lui pareil. Donc là, on vient de gagner 2 points. On vient de gagner 3 points et j'en dépense un pour passer les sanctions. Est-ce qu'on... On est toujours en période de sommeil. Ouais, mais là, il y a le garde armé. Je vais passer par les autres d'abord. Ok. Hop, donc ça c'est fait, je viens de gagner 2 points avec ça. Voilà, encore un point. Ça c'est une mauvaise idée, mais... Hop. Donc 11 points. Je passe la sanction, je suis à 10 points. Ah oui, en fait, ça fait vraiment pas passer le temps, en fait. Bah écoutez, je vais faire ça une petite série de faux, hein. Et puis, ben... Le mec, il se bat dans son lit, quoi. Le mec il est couché, il se bat quoi. Hop, 13. Bah allez, je vais faire ça une petite série de fois et puis bah on se rejoint quand on se retrouve quand j'aurai une certaine de points. Allez, à tout. Attendez là, meilleur bug du jeu. Je vais buter un flic sans avoir quitté mon lit. Ah ouais, non, faut pas déconner quand même. Non non, il est inconscient. Je vais pouvoir le buter même. Oh, j'y crois pas.
Ouais, non, faut pas déconner. Mais là, je viens de gagner 2 points juste sur lui, quoi. Ouais, c'est cool. Bon, 26 points, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Le mec, il est encore couché, quoi. Au calme. Bon, ok, tu me donnes les 2 points là ou... S'il te plaît, donnez-moi les 2 points. C'est bon, 28 points, hop. Et c'est reparti. Bon, bah je continue. Je continue un peu, mais je suis déjà à 27 points. Regardez, garde armée. Hop, rien à foutre. Un point, tant pis. Allez, hop. Là, je fous la merde aussi. Mais voilà, un point, c'est bon. Je me rends. Et là. Voilà. En gros, c'est ça que je fais depuis tout à l'heure. Je fous la merde. Bon allez, je continue un peu jusqu'à ce qu'en fait l'heure de sommeil s'arrête. En fait, je continue. Là, je suis déjà à 30 points, hein. Comme quoi, ça monte vite en fait. Allez, mais faut avoir au moins 2 gars pour que ça puisse augmenter quoi. Oh, je me suis fait tirer dessus. Oh mon Dieu, oh, vous avez raté un truc là. J'ai, il y avait un garde armé qui était blessé. Je lui ai tiré dessus. Enfin, il m'a tiré dessus. Ça, c'est fait. Bon, j'évite les gardes armés en fait. Salut toi. Non, non, non. Viens là, toi. Bing. Allez, boum. Bon, bah j'ai un mort en tout cas. Au revoir, Knight. Ravi d'avoir connu. Bon, de toute façon, le temps libre va s'arrêter là. Enfin, après, je vais être en temps libre. Il me semble, ou en douche. Non, je vais être en douche après, là, à partir de 8h. Donc, allez, hop, passer les sanctions. Et là, on va pouvoir recruter des mecs. Parce que là, ça y est, c'est l'heure de la douche pour nous. Donc, j'ai appelé Hackett. Et puis, on est reparti pour une petite session. Je vais juste voir un petit peu pour recruter 2-3 gars. Hop. Non, non, non. C'est pas ce que je vais faire. Voilà. Dix points peut-être pas, faut pas déconner. Non, 9 non plus. En fait, j'ai l'impression que les points augmentent quoi qu'il arrive. Plus on a de membres de gang, plus il faut de points. Ouais, c'est ça. Donc là, je peux plus recruter qu'un mec à 16 si je veux. Allez. On se fait ce mec. Bon, on se rend, on se rend, on se rend. Ah, ça a été pas mal quand même là, c'est... Bon, tout ça l'isolement, mais c'était pas mal. Bon, voilà. Mais en gros, après, en fait, ça ressemble énormément à un idle game. Clairement, en fait, ça ressemble un peu à un idle game dans l'idée. Mais un idle game complètement pourri, quoi. En fait, faut dire ce qui est, quoi. Dans l'idée, ça ressemble à un idle game, mais en beaucoup plus pourri. Donc voilà. Mais là en soi par exemple là je peux me refaire un bordel monstre hein, si je veux. Hein. Mais bon. Allez, on va. Non, franchement je pense qu'on va s'arrêter là. On va essayer un dernier truc. On va essayer un dernier truc. On va reprendre Join là. Voilà. On va dire à tout le monde de suivre.
Et on va essayer de se barrer. On va essayer de se barrer. Donc, je suis censé avoir 5 membres de gang, donc il m'en manque un. Petite sauvegarde automatique. On va essayer de se barrer. Hackett, il est quand même passé en high security quoi. Il a été reclassé quoi le mec. Allez la sauvegarde. Bon. C'est bon, tous mes mecs sont là en plus visiblement. Il y en a qui sont à la touche. Les protected sont en repas, mais il n'y a pas de protected. Est-ce qu'on essaie de foutre le bordel à la douche? Ou on n'oserait pas quand même. Mais quand même, ah oui, c'est vrai que j'ai mis quand même un garde armé dans les... Ok les mecs, tout le monde est là. Je me casse. Tirez-vous les mecs, tirez-vous. Oui. Trois évadés. Bon, voilà. Par la porte de devant. Bon, bah ça c'est fait. Ça c'est fait, j'ai trois évadés. Donc bon, bah voilà quoi, respect quoi. Oula. Ça... Ouais, ça a sauté, je sais pas pourquoi. Bon, je peux pas diriger ces mecs-là. Ils se sont évadés. Mais GG à eux, hein, bien sûr. Et ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, on a réussi une évasion, pas de notre personnage principal, mais de la plupart de nos personnages. On va refaire une tentative. Non, c'est chiant, pourquoi ça saute? Oula, non, j'aime pas ça. J'aime pas ça, je pense qu'on va arrêter. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai mon écran qui a des sautes noires. On va arrêter là, je pense. Mais, alors, attendez, hop. Eh, barre, allez, hop. Bon. Et là, on y va. Et ce coup-ci, il faut que ce soit Joins qui puisse se barrer. Allez, on est 3, c'est faisable. On est 3, c'est largement plus que faisable.
Mais en gros, le sas de sécurité qu'il y a au début, là, je devrais le mettre en personnel only. Pour que direct, il se fasse griller dès qu'il rentre dans la zone, en fait. Donc voilà, donc vous voyez, ça permet quand même de voir également les failles de sécurité, hein, bien sûr, de notre prison. Ça permet en fait de jouer le méchant pour essayer. Allez, on va essayer. C'est parti. Allez, j'attends juste que Join et Barnard soient là. Allez, c'est parti les mecs, c'est parti les mecs, c'est parti les mecs. Allez, on se tire, on se tire, on se tire. Ah, tristitude. Il y a quand même de la défense devant, hein. Clairement, il y en a trois qui ont réussi à s'évader, mais faut faire un ouais, faut faire ça en fait. Faut faire un phénomène de masse en fait. Faut faire de la masse en fait pour pouvoir. Mais il y a un truc que j'ai pas essayé, c'est de m'évader par le sud, par le bas. On va essayer. On va essayer ça. Et je vais essayer en maîtrisant Join ce coup-ci. Je vais essayer plutôt par la cellule de. Enfin comment, par le. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a pratiquement pas de défense par là en plus. Ouais, il y a quasiment pas de défense par là. À mon avis, c'est faisable. À mon avis, c'est plus que faisable. Donc on est en quoi là? On est en temps libre. Il est midi. On a juste le temps de tenter cette évasion, je pense. Ah ouais, ah oui, mais en fait il y a les chiens de garde pas loin et les. Et quand même les gardes armés, j'ai laissé en bas les. Ouais. On va essayer. On va essayer, mais à mon avis, ça va être chaud. Allez, allez, tout le monde retire son souffle. Vais-je y arriver? Plus cette portée. Allez. J'y vais. Oh la vache! Ok. Wow. Wouh! Non, ça peut pas parce qu'il y a la relève qui passe ici en permanence. Donc c'est pas possible de s'échapper par là. Oh la vache! Oh, c'était violent! Ouais, non, ma prison, c'est très difficile de s'évader. Il faut vraiment faire un effet de masse. Et en faisant un effet de masse, il y en a quelques-uns qui passent. Mais pas forcément celui qu'on veut faire évader absolument, quoi. Oh la vache! Ah moi je dis quand même il y a respect hein. Enfin bon, allez. Allez, allez. Bon écoutez, je pense que cette série va se terminer là-dessus. Ok? C'est bon, j'en ai assez. Moi j'en ai assez vu de ce jeu. J'ai joué extrêmement longtemps à ce jeu. Trop longtemps. Donc clairement, voilà. Alors ce que je pense de ce jeu, franchement, c'est un jeu qui a des bonnes idées. Clairement, qui a des bonnes idées. Bon, graphiquement, on ne juge pas, hein, clairement, parce que ce jeu n'est pas forcément fait
n'est pas forcément fait pour être beau, clairement. Le côté création de prison est intéressant. Ce côté-là, le mode évasion est assez intéressant. C'est vraiment un bonus en plus. Je le vois plus comme un bonus, quoi. Voilà, c'est la possibilité. Et surtout la possibilité de tester sa prison. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Donc je sais que je dois augmenter ma sécurité au niveau de l'atelier et au niveau de la buanderie. Que je dois mettre un garde armé à la buanderie, par exemple. Oh mais c'est pas mal ça! Attendez, on y va! Bah c'est la sanction, on y va! Et let's go là, on va aller à la... On va aller rapidement à l'émeute. Allez, avant que ça se termine, je me mets en x3 pour aller plus vite quand même. Allez! Oh, la sauvegarde automatique! On va juste se terminer en suicidant dans une émeute. On va se terminer comme ça, et puis je pense que ce sera bon. Mais ce jeu, clairement, est pas mal. Au niveau sonore, il est pas mal. Au niveau graphique, il est pas mal. Au niveau gameplay, voilà. Bon, il y a 2-3 bugs, hein, quand même. J'ai toujours pas compris comment se servir dans les services des servomoteurs, ainsi que des CCTV et ces trucs-là. Clairement, j'arrive pas à m'en servir. Il y a ça, j'ai pas essayé tout ce qui est porte logique, tout ce qui est plaque de pression, mais ça sent la grosse merde dans une prison. Donc voilà. Allez. Attendez-nous les copains, on arrive! C'est là. Comment on va foutre le bordel? Allez, c'est parti. Je sais pas dans quoi je tape, mais je tape. Ok, mon personnage principal. Ok, j'ai un mort. Il manque plus que Bernard. Je sais même pas où il est. Il a l'air d'être inconscient. Ouais, il a l'air d'être inconscient. Je sais pas où il est, mais il est inconscient. Ok, et ben voilà. Hein, donc ça c'était le, ça c'était l'émeute. Eh, c'est un sacré bordel quand même les meutes. Enfin voilà. Bon écoutez, j'espère quand même que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Éventuellement à partager cette série sur les réseaux sociaux. Et puis ben sur ce, je vous dis. À bientôt.